Alors avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il faut chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors l'intérêt de cet exercice, il est double. D'abord, savoir dériver des fonctions qui sont de la forme exponentielle U, et deuxièmement, réviser les fonctions sinus et cosinus. Alors dans la première question, on nous demande de déterminer f' de x, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction-là que j'ai réécrite ici. Alors avant de dériver, la première chose à faire, c'est de justifier que la fonction est bien dérivable. Et beaucoup d'élèves oublient de le faire. En général, ils calculent directement f' de x sans avoir justifié au préalable qu'on pouvait calculer f'. C'est-à-dire qu'il faut commencer toujours par justifier que la fonction f est bien dérivable et ensuite seulement calculer la dérivée. Eh bien, ça tombe bien parce que dans le cours il y a un théorème qui dit que si u est dérivable sur un intervalle I, eh bien, exponentielle u est également dérivable sur ce même intervalle. Et ici, cette fonction f, elle est exactement de la forme exponentielle u. Donc, pour, que, pour justifier que f est dérivable, eh bien, sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur 0 de pi, pour justifier que f est dérivable sur 0 de pi, il suffit de dire que cette fonction qui est en exposant est dérivable sur 0 de pi. Et grâce à ce théorème, on pourra en déduire que exponentielle u est également dérivable sur 0. De pi. Et donc j'écris sur ma copie que j'ai remarqué que f c'était de la forme exponentielle u. Donc je commence par écrire que f de x c'est égal à quoi C'est égal à exponentielle u de x. Ou u de x c'est la fonction qui est en exposant. C'est-à-dire u de x vaut cosinus x. Et maintenant je vais appliquer ce théorème u c'est la fonction cosinus, elle est dérivable sur r, donc elle est dérivable sur 0 de pi, et donc si la fonction qui est en exposant est dérivable sur l'intervalle 0 de pi, ça veut dire que exponentielle u est aussi dérivable sur 0 de pi. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris, comme u est dérivable sur 0 de pi, exponentielle u, mais exponentielle u c'est c'est pour ça que j'écris exponentielle u c'est-à-dire f, est également dérivable sur 0 de pi. Voilà comment on justifie que la fonction f est dérivable sur 0 de pi et il faut le faire avant de calculer f prime de x. Alors maintenant vous devez savoir que pour calculer la dérivée d'une fonction qui est de la forme exponentielle u, il y a une formule et vous devez savoir que la dérivée d'exponentielle u c'est quoi c'est la dérivée de la fonction qui est en exposant que multiplie exponentielle u. C'est exactement ce que je vais appliquer maintenant. Et surtout n'oubliez pas le u prime parce qu'il y a des élèves qui pensent à tort que la dérivée de exponentielle u c'est quoi c'est exponentielle u. Et ça c'est évidemment complètement faux parce qu'ils ont oublié le u'. Donc surtout n'oubliez pas le u'. Et le calcul que je vais faire, il est valable pour tout x de 0 de pi. C'est pour ça que je commence par écrire pour tout x de 0 de pi, deux points, je vais calculer f' de x. Comme la fonction est de la forme exponentielle u, j'applique cette formule. Si on a u en exposant, la dérivée est égale à quoi a u', À u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui est en exposant. Donc ici ça fait la, dé la, dé la dérivée de la fonction u, c'est-à-dire u prime de x. Que multiplie quoi Que multiplie exponentielle U, c'est-à-dire ici, exponentielle U de X. Voilà, c'est important d'écrire cette ligne parce que comme ça, le correcteur sait que vous connaissez cette formule. Et en plus, il voit quelle formule vous êtes en train d'appliquer. Alors pour continuer, maintenant, j'ai besoin de savoir combien vaut U' de X. Alors vous devez savoir que si U de X vaut cosinus X, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ça, vous devez le savoir. Et donc je rajoute sur ma copie, et U' de X. Je répète, c'est la dérivée de cette fonction-là, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici, ça me donne moins sinus x. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer u prime de x ici et u de x ici. Donc je continue, ça me donne f prime de x égale quoi Égale moins sinus x que multiplie exponentielle u de x, c'est-à-dire exponentielle Cosinus x. Voilà, j'ai calculé la dérivée de la fonction f et donc ça termine la première question. Alors, je rappelle la méthode pour trouver le tableau de variation d'une fonction f en utilisant la dérivation. La première chose à faire, c'est de justifier que f est dérivable sur l'intervalle qui est indiqué dans l'énoncé. Et n'oubliez pas cette étape parce que beaucoup d'élèves calculent directement f' de x sans avoir au préalable vérifié que f est dérivable sur l'intervalle qui vous intéresse, qui est indiqué dans l'énoncé. Donc, premièrement, vous justifiez que f est dérivable... Sur l'intervalle qui est indiqué dans l'énoncé. Deuxièmement, vous calculez f' de x. Troisièmement, vous trouvez le signe de f' de x. Et là, j'insiste, pour trouver le signe d'une expression, que ce soit f' de x ou une autre, il faut penser à la factoriser. Donc ici, j'écris en rouge qu'il faut penser à factoriser. Pourquoi c'est intéressant de factoriser Parce que factoriser, ça veut dire écrire sous la forme d'un produit. Et quand vous avez un produit, et eh bien du coup, vous pouvez appliquer la règle des signes. Et donc, vous étudiez le signe de chaque bloc séparément. Et grâce à la règle des signes, vous pouvez trouver le signe du total. Mais je répète, la règle des signes, elle ne s'applique qu'à la multiplication et à la division. Donc il faut écrire l'expression sous la forme d'un produit ou d'un quotient, et ensuite vous étudiez le signe de chaque bloc séparément pour trouver le signe du total. C'est pour ça qu'il faut penser à factoriser. Et une fois que vous avez trouvé le signe de f' prime de x, vous en déduisez le tableau de variation de f. Alors, moi j'en suis à la troisième étape parce que, oh, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait On a justifié que f était dérivable sur 0,2π, c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on a calculé f' de x, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, j'en suis à chercher le signe de cette dérivée. C'est-à-dire que je suis en train de chercher le signe de cette expression. Et comme il faut que ce soit factorisé, je vais l'écrire très légèrement différemment. f' de x, au lieu d'écrire moins sin x, je vais écrire moins 1, que multiplie sin x, que multiplie exponentielle. Cosinus x. Et comme ça, on voit bien que f' de x, c'est un produit, donc c'est déjà factorisé, et c'est le produit de trois blocs, de moins 1, de sinus x et d'exponentiel cosinus x. Et maintenant, il va falloir que je trouve le signe de chacun de ces trois blocs. Donc, moins 1, c'est un nombre qui est toujours négatif, quelle que soit la valeur de x. Donc, ici, ce bloc-là, il est toujours négatif. Exponentiel cosinus x, exponentiel d'un nombre réel, quel que soit ce nombre, c'est toujours un nombre qui est strictement donc ce bloc là il est strictement positif quelle que soit la valeur de x il reste à trouver le signe de sinus x. Alors pour trouver le signe de sinus x je vais utiliser un cercle trigonométrique. Donc ici j'ai représenté un cercle trigonométrique je rappelle que c'est un cercle de centre O l'origine du repère et de rayon 1. Et ce qu'il faut savoir c'est que si on prend un point M sur ce cercle trigonométrique et que l'angle OIOM c'est-à-dire l'angle entre ces deux vecteurs, si cet angle, il mesure x, et eh bien l'ordonnée du point M, c'est égal à sin x. Et ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir. Alors nous, ce qu'on veut, c'est trouver le signe de sin x en fonction de x. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, quand est-ce que sin x est positif et quand est-ce que sin x est négatif en fonction de x Alors sin x, on lit sur l'axe des ordonnées. Donc si par exemple, sin x était ici, et eh bien ici, sin x serait donc négatif, parce qu'ici, on est sur l'axe des ordonnées entre 0 et 0. Et moins 1. Donc, si on veut que sinus x soit positif, eh bien, il faut que sinus x appartienne à cet intervalle qui est donc entre 0 et 1, que je vais repasser en violet. Voilà. Donc, si sinus x appartient à cet intervalle en violet, il sera donc positif. Mais sinus x, c'est l'ordonnée du point M. Donc, si on veut que sinus x appartienne à cet intervalle, ça veut dire que l'ordonnée du point M doit appartenir à cet intervalle, c'est-à-dire que l'ordonnée du point M doit être positive. Et donc, si l'ordonnée du point M est positive, ça veut dire que le point M, il parcourt uniquement cette partie-là du cercle trigonométrique. Et je vais repasser cette partie en violet. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit On a dit que si on voulait que sinus x soit positif, il faut que le point m appartienne à cette partie-là du cercle trigonométrique. Et maintenant, il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles le point m va appartenir à cette partie-là du cercle trigonométrique. Et je rappelle que si x vaut 0, c'est-à-dire si l'angle OIOM OM vaut 0, le point M, il sera là. Et c'est pour ça qu'ici j'écris 0, parce que ça indique que si x vaut 0, le point M, il sera là. Et si x vaut pi, ça veut dire que cet angle ici va mesurer pi, c'est-à-dire que le point M, il sera là. Et c'est pour ça qu'ici j'écris pi. Ça indique que si x vaut pi, le point M, il sera là. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si x est compris entre 0 et pi, c'est-à-dire si cet angle il mesure entre 0 et pi, le point M il va parcourir toute cette partie-là du cercle trigonométrique, et donc le sinus il va rester positif. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie, et donc j'écris sur ma copie que si x est compris entre 0 et pi, x est compris entre 0 et pi, et eh bien l'ordonnée du point M, c'est-à-dire sinus x, il sera positif. Voilà ce que j'écris sur ma copie. Et si maintenant x est compris entre pi et cette valeur-là, qui vaut 2π, pourquoi Parce qu'ici, on aura fait un tour complet. Eh bien, le point M, si x est compris entre π et 2π, le point M, il parcourra cette partie-là du cercle trigonométrique, et donc son ordonnée sera négative, et comme son ordonnée, c'est sin x, ça voudra dire que sin x est négatif. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que si x est compris entre π et 2π, x est compris entre pi et 2pi, le point M parcourra cette partie-là, donc son ordonnée sera négative, et donc sin x sera négatif. Donc j'ai bien trouvé le signe de sinus x en fonction de x sur l'intervalle 0 de pi, puisque ici je suis sur 0π, et ici de π à 2π, donc j'ai bien couvert l'intervalle de 0 à 2π. Donc sur cet intervalle là le sinus est positif et sur cet intervalle là le sinus est négatif. Donc maintenant que j'ai trouvé le signe de sinus x en fonction de x, et eh bien je vais trouver le signe de f' de x. Alors j'ai commencé à adresser le tableau de signes de f' de x. Je rappelle qu'ici on est sur l'intervalle 0 de pi, donc ici j'écris 0 et 2π pour indiquer l'intervalle sur lequel je suis, c'est-à-dire que x va parcourir tout l'intervalle 0 de pi. Et puis maintenant, j'ai trouvé le signe de chacun de ces trois blocs. Alors moins 1, c'est évidemment négatif. Sinus x, on vient d'expliquer que sur l'intervalle 0 pi, sur cet intervalle 0 pi, sinus x est positif. Donc ici, sur cet intervalle, il est positif. Il s'annule en pi parce que si x vaut pi m est là et donc l'ordonnée du point m c'est 0, donc il s'annule en pi. Et sur l'intervalle pi de pi, il est négatif. Moins 1, c'est toujours négatif. Et exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours un nombre strictement positif. Et maintenant, comme il y a un produit entre chacun de ces trois blocs, hein, il y avait bien un produit entre chacun de ces trois blocs, on va pouvoir appliquer la règle des signes. C'est pour ça que c'est important de factoriser quand vous avez le signe d'une expression à calculer, c'est qu'après, on peut, si c'est factorisé, appliquer la règle des signes. Alors ici, plus fois plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Et ici, moins fois moins, ça fait plus, fois plus, ça fait... Plus. Ici, Ici x s'annule en pi et donc quand je vais multiplier les trois blocs comme ce bloc là s'annule et bien les trois blocs s'annulent. Donc qu'est-ce qu'on a démontré On a démontré que sur l'intervalle 0 pi, la dérivée est négative et donc la fonction f est donc décroissante et sur l'intervalle pi à 2 pi, la dérivée est positive et donc la fonction f est croissante. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste à trouver La valeur qui est là, la valeur qui est là et la valeur qui est là. Alors pour trouver la valeur qui est ici, il faut remplacer x par 0 dans f et surtout pas dans f prime. Donc je vais le faire ici. f de 0. Bah combien ça vaut f de 0 c'est exponentielle cosinus 0. Et vous savez que cosinus 0 si x vaut 0, le point M est là. Le cosinus c'est l'abscisse de ce point-là. Donc cosinus 0 c'est 1. Donc ça fait exponentielle 1. Exponentielle 1 ça vaut e. Donc ici la valeur qui est là c'est e. Maintenant cherchons la valeur qui est là, il faut calculer f de pi, c'est-à-dire exponentielle cosinus pi. Et vous savez que si x vaut pi, cosinus pi, c'est moins 1, puisque c'est l'abscisse du point m, donc ça fait exponentielle moins 1. Et exponentielle moins 1, c'est égal à 1 sur e. Donc la valeur qui est là, c'est 1 sur e. Et maintenant, la dernière valeur, il faut que je remplace x par 2pi dans f. Donc je vais calculer f. De 2pi, c'est-à-dire exponentielle, j'emplace x par 2pi, ça fait exponentielle de cosinus 2π. Alors si x vaut 2π, le point m est là, le cosinus, je rappelle que c'est l'abscisse du point m, donc l'abscisse de ce point-là c'est 1, donc cosinus 2pi, ça vaut 1. Donc ça fait exponentielle 1, et exponentielle 1, ça vaut e. Donc ici la valeur qui est là, c'est e. Voilà, on a trouvé le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 2 pi. Donc on a terminé la deuxième question. Ce qui termine cet exercice. Alors qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice Premièrement, avant de calculer une dérivée, pensez à justifier que la fonction est bien dérivable. C'est pour ça qu'ici, on a utilisé ce théorème qui dit que si u est dérivable sur i, exponentielle u aussi. Ça nous a permis de justifier que la fonction qu'on avait f était bien dérivable sur 0 de π. Deuxième chose à savoir, quand vous dérivez une fonction qui s'écrit exponentielle u ou u c'est une fonction, et eh bien la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et surtout, n'oubliez pas le u' parce qu'il y a des élèves qui l'oublient. Enfin, vous devez savoir quand vous avez sinus x et que vous devez trouver son signe, vous devez savoir trouver le signe de sinus x. Pour cela, vous utilisez le cercle trigonométrique et vous utilisez la même méthode qu'on a faite ici.